Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ont cherché cette semaine dans les commentaires, nous sommes à Clessy. Donc s'il y en a qui ont trouvé, félicitations. Et là ce matin, pour fêter notre arrivée à Clessy, j'arrive pas à avoir de gaz à l'intérieur du camion. Donc allez voir pourquoi. J'espère que je suis pas en panne, mais j'ai regardé hier, normalement on était à 60 sur 95, c'est bizarre. Alors on va regarder ça ensemble. J'ai pas mis la bonne clé, ça commence bien. Pas ça. Manomètre indique 60 sur 100, donc c'est pas ça. Alors, est-ce que par hasard je l'aurais éteint sans faire exprès? Ouais. On range des trucs à côté des robinets, donc peut-être que... Oui, c'est ça. Voilà. Alors, c'est bon. Le frigo qui fonctionne au gaz, la cuisine qui fonctionne au gaz. Il n'y a pas de gaz, c'est chiant. Alors, la preuve en image. Est-ce que vous êtes prêts pour cette ultime démonstration de la moitié? Vous êtes prêts? On va voir s'il y a du gaz. Voilà. Ah, trop bien. Donc voilà. C'est aussi la vie en vanne, les aléas. Trouver... qu'est-ce qu'on a bien pu faire qui fait que ça merde. Ah bon, bah du coup on va prendre le petit déj, puis après on vous emmène en balade. À toutes. Oh putain, ça fait mal, Théo. T'es dingue. Ce chien est fou. On a vraiment besoin d'autre chose en fait. C'est parti pour la balade. J'espère que ça vous plaira. J'essaie de vous faire les meilleures images possibles avec ce chien qui tire. Pas mal cette vue aussi, je crois que je l'avais pas montré lors de la dernière vidéo. Donc ouais, la vue sur le viaduc. Ça descend, ça descend. La, 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 la. Alors, c'est dommage, je vous rendrai pas compte du dénivelé sur la vidéo. Je veux dire que c'est vachement la pente. Puis que là, ça commence à être vachement escarpé par là en plus. La pente nono. Elle est où la nono?
La nono elle arrive. En exclusivité pour vous ce soir, Nono. Nono des bois. Nono des bois. Nono's wood. C'est pointu, hein. Elle a eu un arrêt. Je crois que ce chien aime les fleurs sauvages. Donc ça y est, voilà clé c'est. Si vous aimez le resto, il y en a des sympas. Il y a du pédalo. Il y a des belles motos. Il y a quand même une petite armée là. Donc la rivière ici, c'est l'Orne. Et là, nous sommes à côté d'une base de loisirs. La base de loisirs, vous pouvez louer des canoës, vous pouvez louer des kayaks, vous pouvez louer... Bon, un jour, il y aura des paddles, je pense, si c'est pas déjà le cas. Il y a plein d'activités nautiques. Il y a des pédalos, des bateaux électriques. En plus, c'est relativement sympa. Bon, les paysages sont quand même magnifiques. Regardez moi, j'adore cette petite maison de jardin là en pierre à chaque fois que je viens ici. Toi en extase dans cette petite maison là en bord d'eau. Et donc dans la dernière vidéo, on était tous baignés, on s'était installé là en bas. Et voilà le petit coin de rivière où on peut se baigner. Apparemment, il y en a même qui pêchent. Un peu de petit pont où on était il y a 2 minutes. Le premier bain de plou. Hop. On vit dans l'eau. Vas-y. Vas-y mon chien. Bon bah, elle est peut-être trop froide. Peut-être que ça le branche pas. Ah. On réessayera une autre fois, j'essaierai d'aller dans l'eau aussi, peut-être que si je suis dans l'eau, ça le rassurera peut-être. Ah, fallait essayer quand même, il paraît que ce chien est dans l'eau. Il a bien faire un tas, c'est pas mal. Vraiment pas mal d'activités ici. Et ouais, donc il y a bien des paddles en location maintenant. Sympa. Allez, prochain objectif, on va monter sur le viaduc. C'est parti. Prêt France ? Ouais. Allez, on y va. Ouais. Ah si, on est au pied du viaduc. Quand tu es chaud pour monter l'escalier ? Ouais. Ouais. Allez, parti. Allez, zou. C'est cool qu'ils aient refait l'escalier. C'était casse-gueule quand j'étais petit. Je crois que je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais c'est vraiment un truc qu'on a gagné. Et moi ce chien, comme il est vaillant.
Voilà. Toute la race de Noisir. Donc on est dans ce qu'on appelle la Suisse normande. C'est les montagnes au milieu de la Normandie. Et nous, on est garé là-haut. Je vous mettrai une petite flèche. Ouais, c'était le viaduc de Crécy. Avant, il y avait un train qui passait là, mais ça fait au moins 40 ans, je pense qu'il n'y a plus de train qui passe. Donc, et ben, on va redescendre. Hein. Fou. Alors, il fait, je crois, il fait 22 ou 42 mètres de haut, je me souviens jamais. Donc, il faudrait que je vérifie un de ces quatre. J'essaierai de vérifier puis de vous le mettre en bas dans la vidéo. Allez, on est parti. On redescend. Oh, un arbre aussi à vernis. Je suis pas décédé dans la côte, mais elle est pas loin. Hein. Vous voyez vernis au fond là-bas. Allez, je vais reprendre quand on y est. Bon bah ça y est. On est rentré de cette grosse rando. J'espère que les images vous auront plu. Nous on est posé. Ça fait du bien de se reposer un peu. Parce que là, j'ai un peu pu. Donc voilà, voilà. On se repose un petit peu. Ça va bientôt être l'heure du repas. Bon bah c'est ici qu'on va clôturer la vidéo. Hein, avec ce magnifique coucher de soleil sur Crécy. Dites-moi en commentaire si vous, ce que vous avez pensé de l'évolution entre l'année dernière et cette année, niveau matériel, niveau tout, niveau image. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, et aussi à plus sur la route. Hey, t'as pensé à t'abonner et à liker? Et à commenter et à partager! Parce que si tu veux qu'on puisse acheter du nouveau matos pour faire des vidéos pour toi, faut t'abonner!